it's going to happen today. We're going to start by what we're doing now, seating our guest. After that, we will have a welcoming note, welcoming note by the chief of the Bangoun community in the DMD, Jim Moussa. And then we will have a musical break. Then the biography of His Majesty Sultan Ibrahim Bombonjoya in 1908.
1992, 9 août 2021, 29 ans jour pour jour, que Sa Majesté le Sultan El Hadj Ibrahim Bobo a accédé au trône des Jahriens. A cet effet, une grande prière œcuménique est organisée ce lundi 9 août 2021 à la cour traditionnelle d'Afara. Les différentes confessions religieuses prient par leur présence, notamment les chrétiens de la mission catholique, chapeautés par la Sainte Catherine. Communiqué radio. Le grand conseil des coms du royaume Bamoun a la triste douleur d'annoncer que l'ombre a envahi le royaume Bamoun ce jour 27 septembre. Par ailleurs, le grand conseil invite tous les Bamouns à observer un recueillement pendant la période de deuil qui durera 8 jours à compter de ce jour. Toute autre information ou disposition coutumière consécutive à cette annonce seront communiquées ultérieurement. Je suis un peu plus de temps.
Bienvenue au Palais des Rois à Bamoun ce mardi 28 septembre 2021. Le peuple Bamoun est dans la tristesse, consternation suite à l'absence du souverain roi de Bamoun dans son royaume. Et en ce moment, nous allons suivre le reportage, une interview de Gichard Oumarou sur ce thème. Je dis comme défenseur du roi à l'intermédiaire d'un chef qui est Simon Charles, annonce solennellement le départ du roi selon les succès coutumes. Hier, toute la journée, les réseaux sociaux, les médias ont parlé. Mais nous, on n'a pas parlé parce que pour nous, il fallait attendre que cette annonce soit solennellement faite par les faiseurs du roi. Donc, hier, donc, en effet, à 19h, ce collège a siégé. Ils ont fait les rites d'usage et ont annoncé solennellement la disparition du roi Bamoun. Ils ont aussi appelé le peuple Bamoun tout entier au respect de ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le port des coiffures interdites à tout le monde dans l'enceinte du palais. Les fils du roi, la famille royale devrait arborer, n'est-ce pas, des fils noirs, soit sur les coudes, soit sur les chevilles. Mesdames, Messieurs, nous sommes au palais des rois Bamoun. Nous assistons comme ça à l'arrivée du roi de Baganté, de son arrivée en ce moment au palais des rois Bamoun. We have a priest, we have a pastor, and we have an imam, just to show you how Bamoun people, even though they have different religions, they know how to love each other. And that is something that we held from all our kings, respecting all the religions, and everyone is welcome in the kingdom. Now, I also thank everyone around, because we have a few more communities coming from diverse places, from Cameroon, west, south, north, and so on. That's just like some sort of, harmony in Cameroon, Africa. And I wanted to thank our brothers that are known dear African-American brothers and sisters of Chika, for your commitment and for being here today as well. So without further waiting, we will start what we are supposed to do today. And I also told them, like a few seconds ago, that we don't celebrate, we don't say funerals for kings in the Bamoun kingdom. The king just went back where he belonged. And we have the continuity with his blood, the 20th king, His Majesty 44, Bombonjoya Muhammad Nabil. So I'm just going to try to update you as much as I can
during this ceremony, but feel free to ask any question later on if you want to know more about the tradition. But now we're going to try to focus on the tribute to the king. Thank you. So I would like to call the chief of the Bamoun community in the DMV, Jikam Moussa. Thank you. Hello. Yes, dear Mr. Ambassador, dear community chief, dear brothers and sisters, who trace their DNA back to the kingdom and who are here with us, dear brothers and sisters who are from the Bamoun community. It's an honor for us to have all of you here to celebrate the life of our beloved father. On September 27, when we first heard the sad news, we thought it was a rumor. It wasn't until late that evening that the chief of the notary at the Bamoun Kingdom, he confirmed the news to us. We were all in tears. But today we are happy. We are happy to have all of you here tonight with us. Here, help us tonight wipe our tears. Of us, especially to the Bamoun community in the U.S. Why is it like that? On December 23rd, 2018, Royal Decree reorganized his representative in the U.S. So you can understand why we are very, very sad. We were very, very sad, but now we are happy. And I want to take the opportunity to tell thank you to our community for all what they have been doing since our ancestors. Yes, so this is the third event. Community. The first one was a memorial prayer a week after the king passed away. Transition so after this is the third event by our community. All of they are blessed. To the late king, the 28th king of the Bamoun dynasty. His name is Fon, Fondi from Bobonjoya. So thank you. And God bless you. Thank you. Thank you, Nji Moussa, Nji Jikam. So I would like to call now a congressman that I thank as well for being able to say a few words for us. I'm talking about
Mr. Koroma Daniel, the congressman in the Montgomery County. Congress. Oh, okay. So I brought you down, or oh, no, no. Way up. Way up. Okay. So I think I probably see. No problem. It's coming. Yeah, thank you so much, my brother. By the way, Daniel Koroma, I'm one of the electorates here in Montgomery County. I represent District 20, which is the Silver Spring, Tark, White Oak areas. But I come because I've welcomed actually two kings from Cameroon who have visited us during the... of my job was to show them around the county based on interest that they have. I remember taking one of the kings to Montgomery College because of the amazing nursing program that they had. And the idea was how do, you know, do they replicate that in their region in Cameroon? And being an elected official, it's always been a privilege to serve. So when I heard about this event and the passing of, you know, His Royal Majesty, I felt not only, of course, you know, this tradition is part of our African tradition, but it's something that is necessary to acknowledge, to be here and mourn with our people who are mourning and knowing that here in Montgomery County, we're not only talking about our diversity, but we're talking about recognizing that every one of you who are residents of this county means a lot because, you know, your contribution is what makes this county what it is. And then finally, you know, there's so many things that are happening right now. I mean, again, I'm up for re-election, but I'm going to be running for county council. So some of you will hear about the East County District. But I'm not here to talk about that because this is not politics. This is today to just mourn the Royal Highness and with the people, but to let you know that elected officials should stand with you, should be with you, not only when they need your vote, but also when grieving as well. So again, Mr. Ambassador, all the royals who are here, all the clergy members, I see very familiar faces that are here. Again, I bring my respect. I bring, my sadness and say, this is something that I experienced just as few days as last week, where I lost my own brother, my younger brother, who just passed away as well. So I come to mourn, but I also come to mourn with you. Thank you very much again, and God bless you. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, I think now it's the time for our prayers. So, I would like to give the floor to the members of the clergy as well as the imam. So, mesdames et messieurs, nous allons commencer par la prière catholique. Et j'aimerais donner ici la parole au Père. Hello. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont catholiques, s'ils peuvent se lever, qu'ils se lèvent. C'est ça la tradition.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plus super na gracia, que tu creasti pectora. Qui diceri paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis oncio. Tu septi formis munere, dextre Dei tu digitu, tu rice promissum patri, sermone ditans gutura. Accende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, vitute firmas perpeti. Hostem repelas longius, pacem que dones protinus, doctore sitte previo, vitemus omne noxium. Perteciamus da patrem, nos camus atque filium, te utrius que spiritum, credamus omne tempore. Deo Patris sit gloria, et filio qui amo tui, surexit a paraclito, in seculorum secula. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme le temps est court, je veux aussi être bref. La célébration de la vie de Sa Majesté Bombo Joya, roi de Bamoun, qui nous rassemble ici aujourd'hui, est aussi appréciable sur le plan pastoral que Jésus lui-même a laissé en disant « Soyez un, comme votre Père Céleste est un ». Dans ses multiples témoignages, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a laissé dans son royaume ce qu'on appelle la tolérance religieuse, où nous trouvons les chrétiens sous leurs différents bords, et des musulmans dont lui-même était issu. Cette rencontre nous permet de remercier le Seigneur pour la vie de cet illustre personnage. Nous sommes donc venus célébrer cette occasion ou bien cette action à l'occasion de sa vie terrestre sur la terre. Bien-aimés, vous tous croyants ou non-croyants, l'idée de la mort est toujours insoutenable et même insupportable pour la plupart des gens, car à nous tous est inscrite l'idée de l'éternité et l'illusion de l'invulnérabilité. Nous voulons vivre éternellement. Et à un certain moment, nous doutons parfois que nous allons mourir. Comme les latinistes disent, hic et nunc, ici et maintenant. Nous nous croyons invulnérables. Et nous ne voulons pas penser à notre extension. Nous voulons vivre et vivre avec ceux qui nous aiment et que nous aimons. Nous ne supportons pas l'idée qu'il y ait la mort,
c'est-à-dire la cessation de la vie, comme nous dit le petit Robert. C'est ainsi que selon la science et nos connaissances humaines, la mort d'un être est l'arrêt irréversible de ses fonctions vitales. Mais cette définition biologique montre quand même l'insuffisance et à quel point la science est parfois limitée pour comprendre ce que c'est qu'un être humain. C'est dans cette impasse que parfois il faut expliquer l'homme et même la vie. Nous ne pouvons pas décrire extérieurement les manifestations des deux phénomènes, la mort et la vie. Mais quand un être humain meurt, quand il disparaît, quelque chose disparaît aussi. Il n'est plus là, physiquement parlant. Mais qu'est-ce qui n'est plus là, au juste, lorsque nous mourons? C'est aussi ce qui fait notre identité, c'est-à-dire notre personnalité, notre affectivité, notre présence qui disparaît. Qu'est-ce que la vie, en définitive, donc? La science étant donc bien incapable, en réalité, de dire en quoi consiste la vie, quelle est la nature du souffle qui nous anime, d'où vient-il, où est-ce qu'il s'en va? La mort est-elle un terme ultime de notre vie? C'est autant de questions que nous nous posons. Est-elle une étape dans notre histoire qui continue? Croire en une autre vie, mes frères et sœurs, après la mort ou la disparition physique est une exigence humaine qui fait la caractéristique de notre espèce. Vous avez suivi tout à l'heure, quand le speaker parlait, il nous disait que le roi ne meurt pas. Si la mort stoppe et essaie d'anéantir notre exigence physique et biologique, tout bêtement, on peut dire que la vie est absurde et la mort dépourvue de sens. Cependant, ici donc s'arrête la science et commence la métaphysique. D'où la pensée que l'homme ne meurt pas. Le roi n'est pas mort. S'il y a donc un après la mort, c'est-à-dire une vie après celle de la terre, alors que les connaissances scientifiques n'ont rien dit, il s'agit donc là quelque chose que nous devons donc connaître. Frères et sœurs, Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun est entre les mains de la vie, est entre les mains de l'Éternel. Dans le livre de la sagesse, dont je n'ai pas eu le temps de lire ici parce que le temps presse, et dans le livre de Saint Jean, nous sommes appelés à réfléchir sur le mystère de la vie. En effet, l'exemple de Sa Majesté, comme chef de famille, autorité religieuse et gardien de la tradition du peuple Bamoun, il trouve son sens dans cet extrait de la sagesse et de Saint Jean l'apôtre. Une très grande inspiration de la vie de tous les jours. Voilà pour moi la raison du choix de ces auteurs-là, si nous lisions cela. Puisque le temps nous est imparti, nous passons dessus. La vie humaine est un don précieux que Dieu nous a confié ou bien nous a accordé pour qu'elle soit féconde pour ceux qui croient en vrai et au vrai Dieu. Ils puisent leur vie en lui, puisqu'il est la vraie source de la vie. Bien-aimés dans le Christ, les incroyants, ne sont pas dans la vérité. Notre existence est brève, comme ils disent, et triste, et rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie, etc. C'est ce qu'ils disent. Mais mes frères et sœurs, parler ainsi ou croire en cela est un signe de résignation ou du défaitisme. Parce que, selon Saint Paul au chapitre 14, verset 9,
Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Christ. Nous appartenons au Christ. Dans le langage de Saint Jean, la fécondité s'exprime par l'image du grain de blé qui est jeté en terre. Au chapitre 12, verset 24. Si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit et du fruit en abondance. Sa Majesté, roi des Bamoun, a fait de sa vie une vie de fécondité pour Dieu et pour son peuple. Grâce à sa personnalité pacifique, conciliatrice, de douceur et de patience, de tolérance et d'affection, sans discrimination, il a œuvré à la modernisation, non seulement de la culture Mbouan, mais de la culture camerounaise. Au dialogue interreligieux, dont l'exemple en est ici aujourd'hui, dans son royaume, il est resté la cheville ouvrière de tout cela, dans cet espace géographique du Cameroun que certains d'entre nous connaissent. Bien-aimé dans le Christ, je ne suis pas venu ici faire l'éloge du roi. C'est pour cela que, compte tenu de notre temps, je vais m'arrêter là. Et je vais passer maintenant aux différentes prières que nous pouvons aussi faire pour lui. Let us pray. For his loyalty to his country, Cameroon, and his people, so God grant him eternal life. Lord, hear our prayers. Man of faith and guardian of tradition of the Bamoun people, Lord, grant him eternal rest in your kingdom. Lord, hear our prayers. For his distinguished contribution to the development of sport in Cameroon and for the services performed with fidelity as a high official of the state, Lord, listen to us. Lord, for his contribution to the maintenance of peace in Cameroon and for his patriotism, we pray to Almighty God. Lord, he was a religious and cultural symbol for his devotion and his humanism toward the poor and the underprivileged. Let us pray to God. Lord, eternal and almighty Father, we came on this day to celebrate the life of your son, the Sultan Bombon Joya. May your love bring him closer to you and his soul rest in peace. By Jesus Christ, your son, who live in you with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Request in pace. Amen. In the name of Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, Father. So now I will call the pastor. Respectable et noble grande famille Bamoun aux États-Unis, frères et sœurs dans la foi, je suis le révérend docteur Njinke Justin. Le nom Njinke, toute ma famille Bamoun le reconnaît. C'est le petit frère de Njingoure. Alors je me demande comment le petit que je suis puisse être appelé à rendre hommage à Sa Majesté, le majestueux, l'immense sultan roi des Moun,
à vrai dire, en temps normal, même au pays, je ne serais même pas en position d'effleurer la loge des officiants. Cependant, en tant que pasteur de l'Église évangélique du Cameroun, c'est beaucoup plus un témoignage que je vais rendre. Et je pense au pasteur Moïse Lamer, paix à son âme, qui fut élevé au grade d'un dji par le sultan en personne. Et pour cause, le pasteur Lamer avait bien réussi son ministère en tant que président général de l'Église évangélique du Cameroun. Je pense à feu le pasteur Rudolphe Pechandon, également élevé au grade d'un dji pour la traduction de la Bible en Bamoun. Je pense également à un collègue, ami, feu le pasteur Ngoumoun Abraham, élevé au grade d'un dji par le sultan pour la traduction de la Bible. De leur vivant, ces grands pasteurs ont reconnu ma vocation et m'ont consacré comme pasteur. C'est donc en pensant à eux, en tant que pasteur, que je suis vraiment honoré par votre invitation et je vous remercie de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage. L'Église évangélique du Cameroun se doit de dire merci, de rendre hommage à cet homme qui était toujours consulté au moment de grandes décisions et de grands travaux de notre Église. Oui, cette cérémonie d'hommage au grand Baoba, le sultan roi des Bamoun, qui vient d'achever sa mission sur cette terre en nous laissant sur le quai de la vie. La fois où je me suis approché de lui, c'était lors de l'inauguration de l'église Bamoun, de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Bamendji 2. Je me suis approché de lui en tant que maître de cérémonie et j'étais à 2 mètres, figurez-vous. Il m'a appelé pour me dire, pasteur, entonne un cantique que j'aime. Et il m'a communiqué le numéro. En cette occasion d'hommage, pour l'avoir entendu, pour avoir sollicité, je vous prie de chanter avec moi, de chanter pour lui ce beau cantique de l'Église. C'est quel ami fidèle et tendre. Il aimait bien ce cantique. Et il m'avait demandé de l'entonner à cette si belle et grande cérémonie. Ceux qui savent, vous pouvez le faire avec moi, peut-être même une seule strophe, je n'en sais rien. Si vous pouvez m'accompagner, ce serait pour moi un honneur, parce que je suis toujours ému qu'il m'appelle et que je m'approche de lui, je me tiens à 2 mètres. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Oui, nous avions chanté toutes les 4 strophes à l'époque, et de sa voix noble, comme vous le saviez, il l'a fait. Donc avec la permission de mes collègues du Noun, le révérend Dr Myriam Gillier, présidente du Noun Sud, révérend Cop Bernard, président du Noun Nord, nous voulons en ce jour, ici aux États-Unis, rendre présent ce grandissime homme dont le passage sur la terre dans notre pays aura laissé une empreinte profonde,
un trésor inestimable de bienveillance et d'affection. À cette occasion, le texte qui m'est venu à l'esprit, et je lirai juste cela pour cette vie qui s'en est allée, c'est le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 2 et 3. Je résume. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine, de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? La question fondamentale à la base du livre de l'Ecclésiaste pourrait être formulée de la manière suivante. Comment l'homme passe-t-il au mieux sa vie? Comment passes-tu au mieux ta vie? Il ne suffit pas de vivre, mais de mieux vivre. Parce que Christ est venu afin que ses brebis aient la vie en abondance. Quand nous lisons le livre d'Ecclésiaste, le mot « vanité » ici n'est pas de connotation morale, non. Une traduction plus littérale serait « buée », je dirais, la vapeur, quelque chose de mouvant, quelque chose de variable, d'éphémère, d'instable, pour dire, mes frères bien-aimés, que tout est irrisoire. Tout est dérisoire. Qui peut se vanter de tenir une vapeur entre ses doigts? Non, personne ne peut maîtriser la vapeur. Une autre expression qui, à peu près synonyme, que l'auteur affectionne est poursuite de vent. Oui, vanité des vanités, tout est poursuite du vent. Tout sur terre, tout ce à quoi nous penchons, nous nous battons, nos pensées, nos rêves, nos forces, nos activités, notre temps, tout n'est qu'éphémère. Tout n'est qu'éphémère, mes frères bien-aimés. Le pouvoir, la gloire, l'honneur, la grandeur, tout est éphémère, provisoire, si vous voulez, passager, comme nous tous. Tout, oui, tout, presque tout. Sauf une seule chose au monde. Laquelle? Je vous donne cela comme devoir. Tout est éphémère, sauf une chose. L'auteur laisse planer le suspense très longtemps. Et à la fin de son livre seulement, à la fin, il dira quelle est la seule chose importante au monde? La recherche de Dieu. La recherche de Dieu. D'où nous sommes venus? Et d'où nous allons. Le livre d'Ecclésiaste commence en disant que toute activité dont le but n'est pas un bien supérieur n'est que vanité. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Le chrétien ne méprise rien, mais tout est vanité et poursuite du vent. Tout ce qui reste, tout ce qui nous reste, tout ce qui vous reste, eh bien, il décrit de mille et une manières les multiples activités de l'homme. Qu'est-ce que soit ce que tu fais, c'est passager. La haine est passagère. Ta souffrance est dérisoire, passagère. Ce que tu supportes maintenant avec peine, ça va passer. Ça va passer. Ça ne passera pas éternel. La haine, tout ce que les uns et les autres font de mauvais pour toi, ça va passer. Ce que tu dois faire, ce qui est important, c'est la recherche de Dieu. Recherche Dieu. Recherche la vérité. Recherche ce qui est juste. Le reste est passager et dérisoire. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par surcroît. Ne perds pas ton énergie aux choses passagères. Si tu as Christ en ta vie, le reste n'est que dérisoire. Parce qu'un temps viendra, quelle que soit l'immensité de notre gloire, de notre pouvoir, nous tirerons notre révérence. Et ce qui va rester, c'est notre rencontre avec Dieu. Voilà le petit message
que je voulais partager avec vous en pensant à la grandeur de cet homme qui était un hommage, qui était un homme très puissant. Ce qui nous reste de sa majesté à jamais, c'est sa générosité, c'est son regard pétillant, c'est son bienveillant, son goût des autres. L'homme engagé à l'éthique irréprochable. Tu as constitué toute ta vie durant avec énergie, disponibilité au service d'une belle idée de l'homme. Majesté, vous étiez apprécié, aimé de tous ceux qui vous côtoyaient parce que déterminé et animé d'un sens profond de l'intérêt général, parce que vous placiez le respect mutuel comme mode naturel de relation. Votre vie, chacun sait pouvoir dire, avec nous l'avez consacré à vos semblables. Majesté, le temps est tel que nous allons comprendre le sens d'une vie plus ouverte au monde. C'est là la force du message de votre personnalité. Majesté, vous êtes parti parmi les vôtres, entouré de leur amour. Nous prions pour votre royaume. Nous prions pour le nouveau roi. Nous prions pour la cour royale. Nous prions pour les Bamoun répandus par le monde. Nous prions et nous associons à votre peine et nous vous présentons en ce moment douloureux toutes les condoléances de l'Église évangélique du Cameroun, déjà au Cameroun par les pasteurs qui sont là-bas, mais de l'Église évangélique du Cameroun, l'un des trois fils du Noun, catholique, musulman et protestant, comme le disait l'autre. Aujourd'hui, vous avez cette voix ici aux États-Unis. Nous résumons tout cela dans cette prière que le Seigneur nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Nous tentons de perpétuer cette tradition ici aux États-Unis. Et Papa Njinjoya. Thank you very much, Pastor. So now I think I should call Imam Sheikh Shaib. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئاتنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا عباد الله عباد الرحمن سلام الله عليكم قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوبا قبائلا لتعرفوا إن الله أكرمكم إن الله أكرمكم إن الله عليم خبير. Nous demandons protection à Allah, le Seigneur du monde, contre Satan, l'ennemi juré de l'homme, et au nom d'Allah, le clément du miséricordieux, à qui nous adressons la louange en toute situation. Ô créature d'Adam, créature d'Allah, il nous interpelle dans le Coran Karim par ce message que l'homme doit comprendre et voir d'où il vient. Allah dit dans le Coran Karim, Sourate 49, verset 13.
Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous devant Allah est le plus pieux. Allah sage est omniscient et omnipotent. En comprenant et suivant ce verset, Allah a choisi le sultan roi de Bamoun de le faire représenter ce peuple, cette tribu. Il doit accepter qu'il est né Bamoun. Il doit accepter ce tribu où il est né par destin. Il doit accepter qu'il est né dans ce Cameroun, le Cameroun, dans ce pays, le Cameroun, par la tribalité. Mais Allah, le Seigneur du monde, qui nous a créés dans ce but uniquement pour qu'on s'entreconnaisse, refuse catégoriquement le tribalisme. Acceptez que vous êtes tel et ne vous dites pas que vous êtes au-dessus de telle tribu. Ô Créateur de Dieu, le plus noble devant le Seigneur qui nous a créés et qui connaît nos cœurs est le plus pieux. Certes, Allah est le seul qui connaît nos œuvres de piété, qui connaît ce qui réside dans nos cœurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, profit des cinq avant les cinq. Majesté roi de Bamoun, tu as profité de ta vie avant la mort. Tu as accepté au message du prophète. Profite de ta vie avant que la mort ne t'arrive. Sept, tu vas mourir. Avant que la vieillesse n'arrive, tu peux faire beaucoup de choses quand tu es jeune. Mais une fois que la vieillesse arrivera, tu ne le feras plus jamais et il n'aura plus jamais le temps de revenir en arrière pour faire ce que tu pouvais faire quand tu étais jeune. Sultan roi de Bamoun, tu as commencé à servir le Cameroun à quel âge? Quel parcours administratif? Quel parcours traditionnel? Tu as eu à jouir de ta jeunesse pour servir le monde et pour faire triompher l'honneur du peuple Bamoun. Profite de ta richesse avant que la faillite n'arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'enseigne. Majesté roi de Bamoun, dans ton sommet d'aujourd'hui, rien que ce musée que tu as laissé derrière toi, qui était un rêve pour toi d'inaugurer, reste vraiment un symbole de ton existence. Profite du temps que tu vis avant que tes minutes ne restent à compter. Sultan roi de Bamoun, tu étais l'imam des imams dans le Noun. Et par exemple, tu as montré l'exemple au peuple Bamoun que loin d'être chef, loin d'être imam de tous les Bamoun, Allah va te demander de rendre de la manière dont tu as géré ta famille. Tu étais l'imam lors de ta rawiya à tes épouses, dont tu tiendras vraiment la responsabilité devant le Seigneur pour celle-ci. Allah, avec ce parcours dont nous reconnaissons au feu sultan, je dirais une chose à ce jeune qui vient d'arriver. Si ta première mission, Nabil, c'est de poser la première pierre
à l'édifice de l'hôpital. Tu es en train de sauver la vie. Tu es en train de voir une continuité. Si c'est ça que tu as choisi comme ta première mission pour servir le Cameroun, que le Seigneur, Allah Tabaraka Ta'ala, qui te rende facile ta mission à venir. Car qui, dont la santé sauve une vie, ne préserve pas de la mort, mais tient la valeur et la quintessence de la créature la plus sublime d'Allah, Tabaraka Ta'ala, qui est l'homme. Ya Ibadullah, Ibadur Rahman, notre vie dans ce bas monde est un voyage. La destination existe. Et qu'est-ce que Allah il nous dit au moment où il faut attendre la destination? Ceci sera dans Sourate 3, verset 102. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون أيها الذين آمنوا Oh vous qui avez cru, oh vous qui sachez qu'un jour arrivera que vous serez dans l'histoire, craignez votre Seigneur, craignez le jour de la mort. Craignez le jour que vous serez devant le Seigneur. Toi, roi, tu vas comparaître devant Allah. Le serviteur, ton serviteur, il va comparaître devant celui qui nous a créé. Le riche, tu vas mourir et tu seras responsable devant celui qui t'a créé. Tu as le pouvoir, tu vas montrer et dire comment tu as géré ce pouvoir devant celui qui t'a créé et qui t'a fait ce privilège. Nul ne sera épargné. Crains certainement ton Seigneur sur toutes les décisions que tu prends au cours de ta vie. Cherche à être juste sur tout ce que tu fais. Nul ne sait sur quel terre il va mourir. Nul ne sait à quel instant l'ange de la mort va l'approcher. Cherche à mourir dans un état de soumission à ton Seigneur. Cherche que la mort t'arrive, que ta mort te prenne. Dans un état qui n'y a pas ainsi dans ton cœur, qui est négatif. Heureux sera qui sera récompensé par Allah d'une meilleure façon. Tout ce que le Seigneur nous attend, c'est un cœur pur. Une meilleure relation entre nous et notre frère. Les meilleures œuvres de la piété. Tout va rester dans ce bas monde. Préparons notre vie à la mort. Le sultan roi de Bamou est parti. À qui sera le second? À qui le tour dans quelques minutes? C'est moi, je partirai. C'est toi, tu partiras. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme doit goûter à la mort. Mais que le Seigneur accepte l'âme de notre grand imam, Ibrahim Bombonjoya. Que le Seigneur accepte les œuvres qu'il a fait dans ce bas monde pour le rayonnement du Cameroun et pour la fierté du peuple bamoun en général. Que le Seigneur lui pardonne vraiment ses fautes. Nul n'est pas fait dans la vie, nul n'est pas fait dans son parcours. Tout ce qu'il a fait, nous demandons au Seigneur du monde de lui venir en aide en lui rendant la tâche facile dans sa dernière demeure où il a trouvé d'autres rois, d'autres sultans venant de Jarien. Il n'est que 19e. Voici le 20e. Eux tous, ils sont ensemble dans cette zone où on les garde. Ô adorateur du Seigneur, hommes et femmes, cette situation doit être une leçon pour nous. Préparons notre mort. Préparons la fin de notre vie. Nul ne peut vraiment épargner. Nul ne pourra jamais échapper lorsque le moment viendra.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره قنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ياسين وقران عقيم انك اسرع قيم لتزاقم غافلون لا قد كل صم لا يؤمنون انا جعلنا مقبا وجعلنا من بين يدين سدا ومن خافي سدا فعشينا فهم لا يسيرون وسواء عليكم ازرتم ان تنزم لا يؤمنون انما تنزم ان تبرزش الرحمن من غير قرشين انا نحن نخنص كل شيء في امام مبين سبحان ربك رب عزتي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. J'aimerais vous demander uniquement deux minutes pour qu'ils traduisent le verset et les indices à ceux qui ne comprennent pas. The first verse that our imam recited is the verse in Surat Hujurat. It's a very telling verse about the nature. He has said, all the creatures made, and from them in Allah is the most part. Come close to our Lord. Be ready to answer to him. And the second verse, except in a state of action. As of today, Bismillahir Rahmanir Rahim. Him, Maliki, Abudu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdina Siratal سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All right, thank you very much. Dear Father, dear Pastor, dear Imam, dear Sheikh. So I believe the next step is to go with the biography of the king, the kings, the 19th and the 20th. But for those of you who don't know, the king, the 19th, was he held a lot of positions in the administration of Cameroon. He had a brilliant and very respected career. I think it was something close to 35 years.
for as a public servant, as well as like in diplomacy. So I wish he was here to tell me what I'm going to tell you, but I know for sure he would like us to pay some respect to Cameroon, as well as the country where we are today. So that's why I'm going to ask us to stand up and respect the national anthem of Cameroon, as well as the national anthem of the United States, before we start with the biography of the king. Thank you very much. I'm going to ask us to stand up and respect the national anthem of Cameroon. Like the biography of the king. So are you gonna, you're not projecting? Is it on this one? Oh, so, okay, so I don't know how it's gonna work for these people. But you know, just do your thing and I will try to summarize it as much as I can, please. So you have the floor. Biography. Sultan Ibrahim Bombon Joya was born on October 27, 1937 in Fumban. He was the son of His Majesty Jimolu Njoya Seydu and Na Ndufu Lantana. Bombon Joya had a 35-year career in public service during which he held important positions such as ambassador and minister on several occasions. His brilliant career as a public servant stopped with his father's death on August 10, 1992. The 55-year-old Prince Ibrahim Bombon Joya was therefore crowned as Sultan and King of the Bamun peoples. The young prince started his professional career in public service in 1957 when he was only 20 years old.
Right after Cameroon obtained its independence in 1960, Mr. Mbombo Njoya held the position of Chief of Staff as the Secretary of State in charge of information from 1960 to 1961. Then he was respectively appointed Director of the Office of the Minister of Armed Forces from 1961 to 1964, General Commissioner for Youth, Sports and Education from 1964 to 1965. Between 1981 and 1983, he was the Minister of Posts and Telecommunications. It was during Mbombo Njoya's time in this position that the first president of Cameroon, Ahidjo, decided to step down in favor of his constitutional successor, His Excellency Paul Biya. This change of the head of state did not affect the prince's career in public service, since he was appointed in 1983 by His Excellency Paul Biya as the Minister of Youth and Sports. Between 1983 and 1986, Mr. Mbombo Njoya gained popularity in Cameroon due to the exceptional performance of the Indomitable Lions, Cameroon's national football team, who won the 1984 African Cup of Nations in Abidjan, Ivory Coast. From 1986 to 1988, he was Minister of Information and Culture, and then Minister of Youth and Sports again between 1988 and 1990. It was during this second appointment as the Minister of Youth and Sports that once again the Indomitable Lions of Cameroon had an amazing performance during the 1990 FIFA World Cup in Italy. A performance that made Cameroon the first African nation to reach the stage of the quarterfinals during a World Cup. Between 1990 and 1992, Mr. Mbombo Njoya consecutively held the positions of Minister of Territorial Administration, Interim Prime Minister, and Minister to the Presidency of the Republic in charge of Congressional Affairs. When his father, His Majesty Njimolu Njoya Seydu, died on July 27, 1992, Prince Mbombo Njoya stopped his career in public service to take care of the whole Bamoun Kingdom as the newly crowned Sultan King of Bamoun. Below are many other honorary distinctions earned during his lifetime. Ladies and gentlemen, that was the biography of Sultan Ibrahim Mbombo Njoya. And it's true that you were listening, but what I can add to that is that, you know, he had a 25-year, like, long career in public service. So, and then when he became king in 1992, he was 55 years old. So, believe me, he already had a strong background in understanding Cameroon, understanding the rest of the world, understanding different cultures. So we were talking about his career as a public servant because that's what makes him unique as a king. Because when he was having decisions like make, he wasn't just saying things just as a random person. He had multiple backgrounds. He was, you know, he knew how Cameroon works. He knew a lot about Cameroon. He knew a lot about the region. He knew a lot about where he went to school. He went to France. He went to Senegal. He was ambassador, like, in Egypt, as well as the Republic of Equatorial Guinea. So when he was actually coming, like when he became the king, he could actually have decisions that would surprise a lot of people. But it was just because some of us, we were a little naive and we didn't understand his backgrounds. So that's why I wanted to tell you that today. And then as a king,
I don't know if you were able to listen to what he did, because he was great at keeping the culture, the traditions. He was also a unifier. He actually succeeded at keeping all the Bamun people together, whether you are Christian, whether you are Muslim. They were all, like he used to say, Jiapo Chitamon, Babo Chitapon. In Bamun, it means I'm not the father of someone. I'm just the father of all of you. So that was the man. And, you know, a lot of other, like, achievements, such as, you know, reinstating the Nguyen Festival in 1992 when he became king. That was our traditional festival that was banished by the French colonial system in 1924, I believe. And then he reinstated that. And then, what else? He built, like, the hospital next to the palace that we called, like, the hospital of the kings of Bamun people. And then he also built that other museum next to the kingdom, as next to the palace again. And recently, a few months before what happened recently, he rebuilt the entrance door of the kingdom. It's a symbolic, you know, artistic artifact, an artifact. He rebuilt it. And I'm just telling you that because for those of you who don't know Fumban, who don't know the Bamun people, those are the few things that you could actually, you know, research about and see. And one other thing was, as I said, he was a unifier. He was also someone who was always promoting peace. And just for you, if you don't know, even President Paul Biya recognized that the Sultan was sometimes consulted for, you know, situations that he had, and he wanted to have some advices from a wise person. So, and that's why, you know, even like 6 months, like last year, for those of you who don't know with what's going on in the Northwest, Southwest region, the Sultan offered land and shelter to people coming from those areas. So that's just how Bamun people are. We are just people. We like being together, and we like to, you know, be proud of our cultures and everything. And we just want to thank him again and again and again, because, you know, he was able to keep our tradition alive. He was able to improve, like, the kingdom with all the, like, achievements that I just spoke about. And also, he was someone that, you know, I respect a lot. I wish we had a picture of, can I have the picture of the flyer with the king sitting? Please. Because I want to show you how we are today happy and proud of being, know that everything is still moving forward, because he made sure that we have the continuity for the kingdom. So please, if I have that, yeah. So if you can see, there you see the Sultan, the 19th. He is sitting. Believe me, he's not worried. He is confident. He is way confident. And he's sitting. Why? Because he already achieved his mission. And now, sitting back there, he's looking at us and looking at everyone else like, okay, I did my part. Now I left it, you know, to you. And in front of him, it's the new king. I want to call them the lions. The lion 20th, the 20th lion. He's right there, standing. He is young, and he's the future. Because of being young, we know that he's going to do a lot more. And his father is just there resting and, you know, just believing. And he's 100% sure that he left us continuity. So that's just a few things that I wanted to add. And I believe now we are good to go for a few testimonies. Please, I'm just going to ask you to be brief, because we have the ambassador, we have, you know, His Excellency, the Secretary General, Lumin Rex, and we have our queens and some of our, you know, respected traditional kings and stuff. So I just want you to be brief so that we can have at least, you know, a cookie after everything that's going on.
Thank you very much. And without, you know, waiting for, I will call the chief of the Hongkam community for a few words. Please, can you just clap a little bit? Je suis confortable en français, merci. Monsieur l'ambassadeur, et la famille camerounaise, la famille américaine, je représente la famille Hongkam aux États-Unis. Ils sont tous là et comme représentant, je remercie la famille Bamoun ici présente pour cette cérémonie. Je sais, il n'y a pas de particularité. On est tous Camerounais. Et surtout ici, nous devions être soudés et vraiment, et j'insiste, je dis soudé. Et quand on nous a fait part de cette cérémonie, et qui va prêcher par l'exemple, je dirais vraiment que ce soit dans la continuité. Quel que soit ce que ça peut faire demain, en prenant pour exemple... Il n'y a pas de petit peuple, il n'y a pas de petit village, que ce soit la même chose. Je ne vais pas être long. Tout simplement, vous souhaitez la bienvenue. Et que d'ici là, que chacun gagne son domicile dans la paix. Et prions en fond de cœur pour cette guerre que je n'appellerai pas guerre, que tout ce qui se passe au Nozo, que l'année qui arrive, que ce soit terminé. Vive le Cameroun, vive le peuple Bamoun, et vive le... Il me manque de mots parce que je suis ému. Merci. Thank you. So I will just keep going since I said we don't have to, you know, take more minutes. I will call like the group of the brothers and sisters that are known as Chika. For them, it's African Americans that were able to, you know, go way back to their origins, and now they are so proud of being Chika. They have a few words too. Please, Michael. Merci beaucoup. So, I'll make this short. My grandmother used to say, when you had a home going, don't get between people and a chicken. So you understand what I'm saying. Mangez poulet. See? Wait. So, in 2018, I went with Ada and Roots to Glory to Cameroon. And we went during the Ngun Festival. And I had never seen a king before. And in my tradition, the Hebrew Jewish tradition, there's a blessing over seeing a king. And I was excited because you're supposed to say 100 blessings every day. And the blessings that you don't often get to say are some of the most important. So when you see a rainbow, you say a blessing over it. When you eat a food that you never had, we say a blessing. But when you see a king, the blessing is, blessed are you, Lord our God, who gave his wisdom and power to flesh and blood. And I'll never forget going to see the Sultan. And, you know, he's, don't say a word. He's there in his, in self-respect, teaching the people the way to go. And I was able to greet him along with the rest of our group.
and say that blessing, and I was so excited because here I was in a place where everybody in Cameroon said the words, welcome home. Everybody greeted us in warmth, and G. Musa took such good care of us. And I remember the food was, it was black-eyed peas and barbecue that night, and rice. I was like, okay, I'm home. And the singing, like nowhere else I've been in West Africa. I've been to now 8 countries. I felt it in my gut, in my soul. It was the same singing of our ancestors here in America. And I heard it. And as I'm watching this massive event that everybody's been invited to, and the love and respect the people of the Bamun Kingdom and Fumban felt for His Majesty Ibrahim Mbombo Njoya, I got a little piece of something that was taken from us, restored. And I got to do it with all of my new family and friends. And so I want to thank you on behalf of our small delegation of Cameroonian and other West African descendants. Thank you for welcoming us home. Thank you for having us here. And thank you for keeping these traditions alive that sustain us all as one African family. Thank you very much, Michael. Thank you, thank you, thank you. I will call the chief of the Sawas community. Hey, good afternoon, everyone. I'm sorry, I'm going to speak in French as well. I hope I won't offend some people. So, bon après-midi. Le peuple Sawa en Amérique, pour lequel je suis ici, que je représente, est content de s'associer à cet événement. Sa Majesté Mbombo Njoya était une très grande personnalité au pays et nous nous devons tous de respecter sa statue. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je suis debout ici pour la célébration, pas de sa mort, mais la célébration de sa vie. Nous avons tous entendu les témoignages divers de son importance au pays. Donc, nous sommes ici pour présenter au peuple Bamoun qui a bien voulu nous associer nos sincères condoléances et leur présenter le support du peuple Sawa en Amérique. Merci. Thank you and sorry for surprising you, sir, but you did very well. That's what I'm looking for. So I will also call the Bagantes people, like if they have a chief, Bagante. Okay. Yeah. Come on, man. Clap your hands, please. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, moi c'est Floben Nzinget. Je suis le vice-président de Kominga. Maman Rose, elle est secrétaire générale de Kominga. Kominga, c'est une organisation créée par notre chef, notre père, le chef Baganté, Njimolu Seyedo, c'est le nom de mon chef. Il était le... On lui avait donné le nom de Njimolu Seyedo justement parce que le roi Bamoun avait rendu visite
à Bangante le même jour qu'on lui donnait naissance. Directement, on lui a donné le nom. Voilà donc pourquoi vous allez entendre le nom du chef Bangante, Ndimolu Sedou. Si j'ai pris, je ne voulais même pas prendre la parole parce que j'ai plusieurs casquettes. Parce que tout à l'heure, là, je dois encore vous présenter un autre groupe. I'm sorry. Si j'ai pris la parole, c'est justement pour dire au peuple Bamoun que les Bangante, nous sommes touchés par la disparition, n'est-ce pas, du sultan, de notre père, qui, dans l'histoire, nous avons, n'est-ce pas, une histoire vraiment commune. Et vous allez, n'est-ce pas, vous souvenir que le chef, le roi Bangante, a pris une part active pendant, n'est-ce pas, les obsèques. Et ici, à Washington, chaque fois que la communauté Bangante, n'est-ce pas, développe des événements heureux ou des événements malheureux, nous avons toujours l'opportunité d'avoir l'assistance du peuple Bamoun de Washington. Nous regrettons le départ de notre roi, le sultan Ndjoya, parce qu'il a œuvré pour le Cameroun, il a œuvré pour la tradition Bamoun, par ricochet la tradition Bamileke. C'était un grand commis de l'État. Je me souviens, pendant toute mon absence, toute mon enfance, lorsqu'il fallait parler de l'histoire, l'instruction civile et autres, on ne cessait, n'est-ce pas, d'appeler le nom de Ibrahim Bombo Ndjoya. Sur ce, je vais vous laisser en disant condoléances à la communauté Bamoun, condoléances au peuple Bamoun, et que Dieu, n'est-ce pas, le garde en des lieux sûrs. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Sans plus tarder, je vais aussi appeler ACCDF, ACCDF. All right. Right in front of me. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Dr. Sinjui. I'm the chairman of the Board of Trustees of the All Cameroonian Cultural and Development Foundation. It is a privilege for us to be here to celebrate the life of such an immense personality with you all. So for the past 20 years, the ACCDS have been investing in connecting our people to our culture. In fact, our mission is to revive, to conserve, and to enhance our culture. We are so proud to be on the same line, to be the first supporters of someone like our Sultan. If you didn't learn anything today, this is what I learned. This is a very, very cultured person. He invested a lot to revive, conserve, and enhance our culture. What a legacy. So, let me just let you in on something. The ACCDF is now working. One of our projects is to send our young people home so that they can learn their culture home. All the activities we do here are having an effect, but we think that if kids go home and learn while they are home, you'll have a bigger impact. So connect with me if you want to talk about that. But to the Bamoun people, we know how big your hearts are. This Fumban, the Fumban Palace, is very high on the list of the sites that our kids will spend time at when they go home. So thank you for the hospitality, and thanks everyone. Have a good evening. Thank you very much, sir, and thank you for, it was strong and short, and that's what I like.
Okay. So I will call Dr. Kelly Page Jebren. She's also one of the African American known as Cameroonian now. I think she can say more about herself when she's here. Dr. Kelly, please. Oh, it's the Queen Mother, right? Oh, how can I forget that? It's not Dr. Kelly, Dr. is small. I think it's Queen Mother Nana Akua Kalia Adaye of the Royal Bronx Kingdom in Côte d'Ivoire and Ghana. Also Dr. Kelly, okay. Bonsoir, c'est vraiment un plaisir pour moi pour faire la célébration avec Sa Majesté. Et merci beaucoup pour l'invitation, le chef de la communauté Bamoun, Ngui Moussa. Et c'est vraiment un honneur aussi pour son excellence ici. I'm Queen Mother in Côte d'Ivoire and Ghana, and it was a big honor for me to come and pay respects to the Sultan, His Majesty Ibrahim Mbombo Njoya. I am also a descendant directly of the Bamoun Kingdom, so it is a privilege. And I've worked with the Bamoun Kingdom with respect to the museum, and so I've had a wonderful opportunity to understand the leadership and the vision of the Sultan and the great Bamoun people. It is a great honor. If there is one thing I'd like to add to the beautiful tributes today, is that Sa Majesté the Sultan Ibrahim Mbombo Njoya did two things, well, three, that I truly admire and believe that all of us as leaders should emulate. One is the Sultan embraced youth. The architect for the museum was a very young man, and youth and the talents and contributions were not feared, but they were honored and they were utilized. And I really admire that and cultivated. So as we celebrate his contributions, those seeds will continue to grow and manifest, which is why we can celebrate today. The second thing that I admire is that the Bamoun Kingdom did extend itself and open its arms, one of the very first, to the long-lost descendants, those of us who share the same blood, to reconnect. And again, using the resources available, not focusing on the lack or what they didn't have, but started to build together with all that currently existed and had faith that it would continue to grow as it did. The third thing that I admire about Sa Majesté as we celebrate him today is his belief and his advocacy for peace. And as daunting, as big as the challenge or the conflict, or as long as the history and frustration might be that Cameroon is experiencing in other parts of Africa, the king understood his actions, whatever he could do, would make a difference, and they did. And when the great gates to enter the kingdom were burned, he did not retaliate. He encouraged all to come together and rebuild. And so these are the three attributes for which it is my distinct honor, representing other African kingdoms and also a descendant of this distinguished kingdom, to honor this wonderful king in front of his beautiful community, and also my blessings for the new king, Nabil Mbombo Njoya. Merci. Thank you very much, Asante. Okay, so, did I say it right? Okay, Asante. All right, I did it right. So now I'm going to call Mrs. Ada
Anago Brown, the founder and president of Roots of Glory. Okay, please. Good afternoon, everybody. It's an honor to be here today, frankly. I feel like I'm a Bamoun by heart and a Bamileke in my spirit. So 10 years ago, I started Roots to Glory Tours. Why did I start Roots to Glory Tours? First of all, because I love Cameroon. I love Cameroon. If you know me, you know that I talk about Cameroon all the time, right? All the time. Somebody says, who has the best food? Cameroon. Who has the best culture? Cameroon. Who has, well, we're starting to think that you're biased. Yes, I am biased. Yes, I love Cameroon because it is one of those countries that you can go to and eat your way out of every single region of Cameroon, right? And have a wonderful meal, a wonderful time, and people that greet you from the airport to Fumban are the most fantastic. I think Cameroonians have the most energetic spirit of welcoming people, no matter where they are, right? Is that right? So with that said, every 2 years, we attend the Wunsa Festival, and we attend the Wunsa Festival at the invitation of Sultan Joya. It's a sad day that he has traveled, he has gone to the ancestors, but it was such an amazing time for us to be there and witness his quiet strength, because he's able to have strength without saying a word. You know when a king is a real king, when he can sit down and things are going, and if he opens his mouth, you know that you have to do something because maybe you're not doing something right. He was that type of person that could really open the room. And when he smiled, everybody was touched by his smile. I would like to say that every single person that I have taken to Fumban during those festivals, aside from the festivals, he has always been a gracious person to us. We thank you, the Bamoun people, and the Bamileke people, because we get warm receptions from all of you, and we really appreciate it. Because when you're looking for your ancestry, and you're searching, and you find that you have DNA from Cameroon, the most important thing that you want to know is that the people from that region, that country, welcome you home. So it's important for us to be able to maintain this history, this culture, the tradition. And that's what Bonbon Joya did. The Sultan was able to do that so well. And the Bamilekes, of course, I'm not leaving anybody out. But he was able to do it so well. We have here with us today somebody that traveled to Cameroon, and her DNA actually matches the Njoya family. She went to Cameroon. She was given a name by one of the Njoyas. Her name is Jessica. Stand up. So this is your true sister, Bamoun people. She met her family in Fumban. They gave her a name. She wanted to spend all the time with them. They wanted to spend all the time with her. She still talks to them every single day. That's what it's about. And it would not have been possible if the Sultan did not have an open heart and allowed us to come and allowed us to mingle and allowed us to learn from him and from the people. So thank you very much. Cameroonians, please do not give up your traditions, your culture, your history for nothing. Please maintain it so that those people who are searching for the answers of what their ancestors used to do can come to you and get those answers. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ada.
And she said something. She said, Bamoun and Bamileke. So what I know, you can fact check me after that. It's that we are all the same people. And we are all Chika, right? So that's what I know. I know we are all the same people and we are all Chika. And if you want to like dig further, I believe Cameroon, it's a country of two big groups. Bantu is Sudanese, coming from Egypt. We all came from Egypt, us Chika. So that's what I know. So you can fact check me after that. Thank you. So now I'm glad that we have reached this level of the ceremony. I would like to apologize for the group, to the group that I did not call. I know you were there, you had a few words, but I have to respect the time of the ambassador, and that's why I'm going to call His Excellency Etunji Esumba to say a few words before we can actually, you know, start at least doing something. Thank you, Mr. Ambassador. Good evening, everybody. Thank you, Master of Ceremony. I would like to say three things here to, this afternoon. First of all, I want to thank the chief of the Bamoun community. I understand from the previous presentation that the king has confirmed or nominate the representative of Bamoun here in the United States. So to that end, I want to allow me to extend my congratulations to you and to the people. The second thing I want to say here is that I feel really honored and privileged to have been associated to this emotional ceremony. Let me refer not only to the Master of Ceremony for his comments after the elements of biography of the king he had been so kind to share with us, but also to the last speaker, the Bamileke Bamoun. Yes, your warm recommendation to Cameroonians to preserve their culture, it is a very strong message that I would like this afternoon to repeat and strengthen. And I think that looking at the multi-ethnicity in this room, which is reflecting not only the the diversity of the Bamoun culture, but it is the foundation, the root foundations of Cameroon as a whole. So we owe, all Cameroonians, we owe the Bamoun culture to have been amongst the this multiplicity of cultural difference in Cameroon, they have been one of the culture, if not the only one, who had from the very early, I would say even before the modern Cameroon came out, the Bamoun culture has been at the forefront of the promotion
of Cameroon, the visibility of Cameroon, the permanence of Cameroon. Why I'm stating that? If you check Cameroon's history, you will come to realize that the only culture, written culture in Cameroon is the Bamoun culture. So, as I'm standing here, I would like to take this opportunity not only to pay homage to these great people of Bamoun people, but especially for their king, because this is a multi-dimensional personality in Cameroon's life. You've seen what the biography put forward in view of letting you perceive by yourself how much he contributed to modern Cameroon. King Bombonjoya has been part, an active part, of all the political and constitutional evolutions in Cameroon. So the fact that the public authority would the necessity to refer to him was due to this multidimensional aspect of in his life. So when I received the invitation to be here this afternoon with the embassy, which is well represented here, I didn't hesitate, not even a second. Let me also mention that when we learn about his returning from where he belonged, we took the necessary time at the embassy trying to refresh the memories, his memories. So we are here to contribute to the celebration of this tremendous personality that has marked modern Cameroon in the making at every level. It is for me, you understand that to that end, I feel really privileged to being here standing and addressing you on that note. I want just to take one of the and to emphasize in the sense that it happened to bring me to meet the king. He was recently I think it was 2 to 3 years after he became the king. I was ambassador in the state of Israel, and one of the one of my duty in Israel, the idea of the promoting, how can I better promote Cameroon region in the Middle East? Not many people knew about. I have always referred to the Cameroon's diversity, and people couldn't really figure out what this issue was about. So the idea came to me